d'abord une pensée pour ses proches, pour ce drame, parce que c'est un drame. Et quand un homme, dans le cadre d'un contrôle, quelle que soit l'origine du contrôle, décède, c'est un drame. Il y a eu une enquête qui a débuté et qui a révélé des éléments qui interrogent gravement. Et donc, il y a une enquête placée sous l'autorité d'un magistrat, et je souhaite que toute la transparence soit faite, que toute la vérité soit établie. Nous la devons non seulement à la famille de la victime, mais nous la devons aussi, cette vérité, à l'ensemble des Français, nous la devons aux journalistes. À partir de là, non seulement s'il y a eu des fautes qui sont caractérisées, nous prendrons les sanctions nécessaires, mais en plus, nous étudierons les conditions d'analyse de cette intervention et nous en tirons tous les enseignements techniques qui sont nécessaires. C'est grave, un homme est mort et donc il est nécessaire que toute la transparence et toute la vérité soient faites. Est-ce que ça remet en cause les techniques d'intervention ? J'avais dit deux questions, il n'y aura pas d'autres questions. Quand une technique de mise au sol provoque une fracture du larynx, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette technique de mise au sol ? Mais moi je ne suis pas comme vous dans l'affirmative. Il y a une enquête. Et d'ailleurs, il y a des images, on voit bien qu'il y a une technique de mise au sol. Attendez, il y a un magistrat qui s'est prononcé, vous avez un communiqué de presse du procureur et qui a indiqué qu'il y avait une conséquence à cette intervention, c'est la mort d'un homme. Ensuite, est-ce que c'est lié à l'intervention ? Ça n'est pas établi. Mais la question n'est pas simple. Vous affirmez qu'il y a une technique qui a été opérée, personne ne le sait, si ce n'est vous. Donc à partir de là, il y a un magistrat qui est en charge du dossier. Et s'il est établi qu'une technique, quelle qu'elle soit, je ne suis pas dans l'affirmative comme vous, peut générer la mort d'un homme, évidemment, nous étudierons la question de suspendre cette technique.